payer le personnel. Ni faire face aux échéances de fin de mois. Quoi? La banque ne veut plus faire de découvert. Qu'est-ce que tu dis? Je ne voulais pas t'inquiéter. Comme on ne peut plus reculer les traites, elles vont sûrement être protestées. Cette fois, c'est la saisie. Comment est-ce possible? Je comprends plus rien. On a toujours travaillé ensemble. Tu vas m'aider. Je ne suis pas ton associé. Je suis seulement ton directeur commercial. Mais tu as de l'argent. Mais non, tu le sais bien. Mais alors, comment as-tu fait pour ta maison de campagne? Pour tes week-ends à Paris chaque vendredi? C'est un cauchemar. Je pourrais vendre mes bijoux. Tes bijoux, tu n'en tireras pas le quart du prix. Le bijoutier qui me les a vendus, c'est un honnête homme. Honnête ou pas, tu verras quand il s'agira de les racheter. Tu vas m'aider. Mais je t'ai déjà dit que je n'avais pas un centime. Tu n'as pas un centime? Non. Julien, m'aimes-tu? Mais... Il faut éviter la saisie à tout prix. On peut hypothéquer les murs. Évidemment, c'est une solution. Mon notaire me prêtera sûrement 5 millions sur l'usine. Tu sais que tu as mis les murs au nom d'une société civile? Mais ça ne change rien. Tu oublies que le principal actionnaire, c'est moi. Mais l'usine m'appartient. Tu n'as que prête-nom. J'en ai marre d'être ton prête-nom. L'usine est à moi. Tu es fou. Tu as signé des parts à un blanc. Elles ne sont plus dans le coffre. Je les ai déchirés quand j'ai enregistré les miennes. Maintenant, je tiens à te signaler que je suis vendeur, à 150 millions. C'est l'offre qu'on m'a faite. Maître Garnier, vous ne pouvez pas le laisser faire une chose pareille. Ça fait 150 ans que nous avons cette usine de parfums. Êtes-vous certaine que cette cession de parents blancs a bien disparu? Oui, elles ne sont plus dans les coffres. Il avait la clé. J'avais tellement confiance en lui. Je croyais en lui. Il était aussi le meilleur administrateur de mon père. Il n'a pas empêché de couler votre affaire. Eh oui. Vous avez raison. C'est assez difficile à admettre. Madame Lombardi, vous pourrez toujours compter sur moi. Statue en albâtre, un cendrier en nacre, un chandelier. Monsieur? Madame Lombardi, je regrette, madame. Nous agissons à la requête de M. Auchard. Il vous a adressé sans réponse une sommation de payer. Êtes-vous en mesure de le faire? Avec quel argent? Continuez. Un deuxième chandelier. Un encrier Louis XVI. Et ça, vous pouvez me le laisser. Je l'aime tellement. Malheureusement, nous avons ordre de tout saisir. La vente ne couvrira qu'une toute petite partie de la somme. Bon. Allez-y. Bon travail.
Si vous avez soif, le bar est là. Ça vous paraît correct? Non. C'est ridicule. Mais n'oubliez pas... payer le double. Mais n'oubliez pas que le prix de la revente n'est pas celui de l'achat. Des bijoux, c'est un capital. Bien sûr. Votre notion du capital n'est pas la mienne. Attendez. Je vous fais une dernière offre. 80 000. C'est tout ce que je peux faire. Ah, bon. Très bien. Payez-moi en liquide. Où allez-vous, madame? Au terme. Ah non, j'ai fini ma journée. Je rentre à Montparnasse. Bon, à Montparnasse. Je voulais une chambre avec salle de bain. Il me reste le 12 sur la cour. Vous voulez visiter? Non, c'est rare. Je vous dérange pas, j'ai qu'une valise. Voulez-vous remplir votre fiche, s'il vous plaît? Je lis mal votre nom. C'est Lucille Lagrange. Thank you.
vous désirez? Des tubes de Nembotal, s'il vous plaît. Avez-vous l'ordonnance? Oui, mais ancienne. Aucune importance. Bon. Très bien. Je mets à quel nom et à quelle adresse? Diana Stevani, Verona. Merci. Monsieur, je voudrais du caviar. Du gros grain. Le plus clair possible. Combien? 250 grammes. Non, c'est trop petit, plus grand. C'est ça. Voilà. Madame, faites conscience, s'il vous plaît. Et puis, du champagne aussi. Lequel? Tettinger 59. Janvier. Mon cher Julien, si je t'écris cette lettre, c'est que j'espère qu'elle te fera le plus de mal possible. Qu'est-ce que tu veux? Je suis encore attachée au sentiment de la vengeance, de l'amour et de la haine. Tu es responsable de ma mort. C'est idiot. Idiot. Il serait trop content. Lui faire du mal. Mais vraiment du mal. Et si je... Tuer. Quel jour sommes-nous? Il vient à Paris chaque vendredi matin. Chaque vendredi. Vendredi. Une semaine de sursis. L'anglaise, là? Oui. Une Austin Princess. Ah, c'est bon. Oh, la bagnole de la reine, faite à la main, ou presque. Jamais démodée, hein, garantie increvable. Plus elle roule, plus elle rajeunit.
Rattrapez-la. Monsieur, pardon, monsieur. Oui. Votre voiture est à vendre. Oui. Je l'achète. Ah bon? Vous faites une bonne affaire. Voulez-vous que nous prenions rendez-vous? Non, je la veux tout de suite. Quoi, comme ça? Oui. Ça vaut combien? 3 millions. Parfait. J'ai l'argent sur moi. Arrêtez-vous au prochain carrefour. D'accord. Les pneus sont neufs, j'ai fait réviser les amortisseurs. Voici les clés. Pour l'assurance et la carte grise, il faut bien que nous prenions rendez-vous. D'accord, je passerai vous voir un de ces jours. Merci. Il me reste à vous remercier. On la comprend, la reine. Vous avez bien une autorisation, mademoiselle? Ah oui, bien sûr. Dans mon sac. Ah, ça. N'est pas chargé, hein? Absolument pas. Est-ce que vous n'auriez pas... plus clair? Oui, si vous voulez voir, s'il ah, vous plaît. Ah oui, merci. Voilà, plus clair. Oui, mais ça... C'est pas pratique. Oui. Voilà. Oui, ça c'est... Mais là, alors... Ça, oui, ça c'est bien. Mais... Est-ce que vous n'auriez pas... tout petit? Tout petit, oui. Oui. Pouvez-vous attendre un instant? Ah, bien sûr. Michel, c'est celui-là? Surtout, pas de moustache. Monsieur, je vous invite. Où vous avez acheté ce vison? C'est un cadeau. Vénard. Monsieur. Madame. Je peux... Quelle heure est-il, s'il vous plaît? 1h20. Monsieur! Madame. 1h20, si vous n'avez pas compris. Trop con. À déjeuner. Pardon. Je vous invite à déjeuner. Comme ça, simplement. Ah oui, simplement. Eh bien, allons-y. C'est la première fois que je viens ici, pourtant je suis parisien. Moi, je suis du Midi. Pour vous faire visiter la capitale, rien n'est pour la province. Et le vide. Ça ne vous impressionne pas? Ça, non. J'ai l'habitude des grands fonds. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Je suis releveur d'épaves. D'épaves? Oui. J'ai un petit travail à vous proposer. C'est pas tant, ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Du cumel. Mais c'est une erreur. Ils auraient dû corser ça à la Mirabelle. Voilà, quetch. Allons bon. D'ailleurs, ils ont eu tort d'avoir cuire les fraises. Et ça passe à froid. Avec un jus d'orange et des citrons. Vous êtes cuisinière? Vieille routine bourgeoise. Avouez que c'est curieux.
Pourquoi? Je ne sais pas la manière dont tout ça s'est passé. C'est curieux. C'est la première fois que ça vous arrive? Ah oui, oui. Mais ne vous étonnez pas, je me demande si je ne suis pas le premier homme à être invité de cette façon-là. Je dois dire que j'ai cru un moment que... Oui? Alors j'ai cru que... Enfin, c'est un peu normal, n'importe qui dans mon cas aurait pensé la même chose. J'ai cru que je faisais les trottoirs. Oui. Oh. Vous êtes un client facile, en tout cas. Et maintenant, vous ne le croyez plus? Ah non, non. Et pourquoi? Enfin, si j'ai l'expérience que vous me prêtez, je sais reconnaître une femme d'une... Vas-y. Oui. Vous ne vous trompez jamais. Sur ce plan, en tout cas, pas. Pourquoi est-ce que vous avez fait une chose pareille? J'avais besoin de voir quelqu'un. Vous n'avez pas d'amis? Oui, mais la plupart sont sur la côte, puis je voulais changer. Pourquoi? Quand on change, c'est pour une raison. Laquelle? Vous ne trouvez pas un peu bizarre de nous retrouver ici à 100 mètres au-dessus du sol sans même savoir qui nous sommes? En ce qui me concerne, je passe un moment agréable. La vue est belle. Vous êtes sympathique. La cuisine peut aller. Évidemment, c'est une conception. Pourtant, une rencontre même fortuite crée des liens, vous ne trouvez pas? Admettons. Évidemment. Autrement, il aurait été si simple de ne pas m'enlever dans une Austin princesse, de ne pas m'aborder dans la rue et de ne pas m'offrir ce déjeuner. Et voilà que nous en sommes à l'interrogatoire. Il ne fallait pas vous mettre dans ce cas-là. Qu'est-ce qui vous intéresse, juste? Ma vie? Alors, origine italienne. Je débarque à Paris. J'habite un petit hôtel à Montparnasse. J'ai cru au grand amour, il n'y a pas longtemps. Je croyais être une femme d'affaires et je me suis trompée. Je m'ai volée de mes propres ailes, elles se sont cassées. Bref, comme on dit, je péchais par orgueil. Et maintenant, je réalise ce que je suis. Une provinciale de notre siècle. Vous repartez à zéro? À zéro. Mais je ne reparte pas. Bien des gens se sont trouvés dans ce cas-là et s'en sont sortis. Vous me cachez quelque chose? Mais rien de tout. Vous mentez mal. Mais c'est pas grave, en tout cas. C'est à moi d'en juger. Mais vous ne me croiriez pas. Dites-le toujours. Je vais me tuer. Vous prendrez du café? S'il vous plaît, dites au sommelier de nous faire monter ses liqueurs. Je crois me souvenir que vous avez une merveilleuse framboise. Vous aimez la framboise? Oui. Oui. Vous n'allez pas faire ça? Quoi? Vous m'avez pris au sérieux? Oui. Mais je plaisantais. Non, non. Plaisantiez pas du tout. Votre conduite le prouve. Rien qu'à vous voir, on devine que tout vous est indifférent. Vous êtes capable de n'importe quoi. Vous tombez dans le mélo. Mais il existe, le mélo. Je ne suis pas si content d'en être le témoin. J'admets. Mais il y a tellement de gens fatigués de vivre que vous auriez trop à faire. Ah non. Non, vous, c'est différent. Vous vous êtes trouvé sur ma route. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas quoi? Vous laissez faire. Mais d'ici vendredi, vous n'allez pas me séquestrer? C'est vendredi que... Je dis vendredi. Oh. Bon. À partir de maintenant, je ne vous lâche plus. Le. Non. Vous permettez au moins que j'aille téléphoner. Ça? Ça, c'est pas pour moi, hein? Non.
Maître d'hôtel. Monsieur. Addition, s'il vous plaît. C'est fait, monsieur. Comment ça? Madame vient de régler. Je voudrais une suite. Certainement, pour combien de temps? Une semaine. Pas tout à fait une semaine. Veuillez signer ici. Oui. À quel nom dois-je remplir l'affiche? Lise Ducreux, née à Strasbourg. Barre. Décidez vous-même la date de naissance. Madame a des bagages? Ah non, ils arriveront demain. Terrasse, madame désire la voir. Non, non, merci. Faites-moi monter du dentifrice et une brosse à dents. Vous avez tout cela dans la salle de bain. Merci. Fait divers. Agence. Amour à mort. Jeune femme tue son amant et se tue elle-même. Mais ici à vendredi, qu'est-ce que je fais? Il faut changer. Il faut s'amuser. Comment tu vas, toi?
Eh bien, je vous remercie d'être venus à tous. Je pense que nous allons pouvoir commencer. La première question, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Je vous en prie. Pour France 4, si vous n'étiez pas chanteur, que seriez-vous? If you weren't a singer, what would you be? Rich. Rich, bien sûr. Pour les nouvelles israéliennes, je voudrais savoir qu'arrivera-t-il le jour où vous ne chanterez plus? Oui. Enfin, que ferez-vous le jour où l'on vous oubliera? What will happen? Today your friends don't like you. Mais qui est-ce? Les Timothys. 120 fauteuils cassés à l'Aldebrand mercredi dernier, 24 évanouissements, 7 crises d'hystérie. Ils ont même fait sourire la reine. C'est leur premier séjour à Paris. Melody ramasse ce soir à l'Olympia. Vous êtes bien au courant? Oui, bien sûr, tous les dimanches. Je suis correspondant à Paris pour le New York News. Je m'appelle John Burt. Oui, une autre question? Oui. Et c'est lui-là? Hein? C'est leur impresario, Tom Sturgis. Well, boys, do you have intention to go up to the moon? No, I get one sick. Non, il dit qu'il a un mal de lune. And in the head. Combien avez-vous eu de femmes dans votre vie? How many women do you have in your life? 1,004. Oh! Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes arrumé? Moi, je suis tellement arrumé. Pour? Pour la Suisse d'aujourd'hui. Oh. What do you do when you get a cold? Oh, we Est-ce que le gourou Omar va célébrer votre mariage? Is the great gourou Omar going to celebrate your wedding? Yeah. Oh, yeah, yeah. Oui, yeah, la suite de demain. Mm-hmm. Au lieu de 4 déplacements, pourquoi ne pas vous marier tous le même jour? Why don't we all get married on the same day? You think it's such a good idea? How about doing this today? Don't crush me! Imaginez que c'est important, ça. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, messieurs, dames. Nos amis se marieront le même jour, le 15 février, à Liverpool. Madame, êtes-vous vraiment suisse? Mère sicilienne. Bravo, vous êtes formidable. Vous avez vraiment le sens de la publicité. 10%. Oui, bien sûr. Vous venez à l'Olympia ce soir? Pourquoi pas? Vous n'êtes pas trop fâché avec moi? Non, bien sûr. Non. Bon. Hein? Ce soir? Oui, ah. Ce soir. Et demain soir, alors? Demain? Oui, bien sûr. Je ne peux pas. Mais vous êtes inaccessible. Mais non, c'est pas que je suis inaccessible. Mais occupée. Oh. C'est vraiment dommage. Entrez. Moi, c'est non, je ne pas à vous. Mais à qui? Tiens. Ah, donnez-moi la carte. Quelle non, carte? Non, la carte de... Enfin. Mais si. Alors, je vois à peine. Hein? Oui, d'accord. Après, d'accord. Oui. Ah, c'est vraiment dommage que vous ne soyez pas venu à l'intérieur. Il y avait une ambiance terrible. Je n'ai jamais vu les Timothys comme ça. Ils étaient déchaînés. Ah, évidemment. D'ailleurs, ils ont cassé 50 fauteuils. Les fans ne voulaient pas faire. C'était formidable. À l'Olympia aussi, ils n'avaient jamais vu ça. Bon, alors, je vous rappelle après-demain et je vous emmène dîner. Absolument. D'accord. Et ensuite, nous allons danser tous les deux. Ah oui, il faut aussi que vous réservez une soirée pour aller à l'Olympia pour voir les garçons. Vous demandez, je suis joie de vous voir. Hein. C'est d'accord. John Bell. Oui. Correspondant. C'est heureux de dîner. Ah, oui, bien sûr, hein? Ah non, pas du tout. Absolument. Impossible. Non, vous m'appelez demain. Merci. Que vous veniez. Telephone rang.
plaît. À quelle heure arrive l'avion de Nice vendredi matin, exactement. Voilà. Merci. Oui. Où es-tu tellement brune? Tu peux venir 5 minutes chez moi? 5 minutes seulement. 5. Il y a eu la troupe pour toi. Moi aussi. Une cigarette. Tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été coincé par une tôle. Prépare-moi 2 pannes chélites pour demain, je vais faire sauter tout ça. Tu crois que tout sera terminé dans 10 jours? Ben, il faut bien. J'ai pas envie de rater l'affaire des Caraïbes. Je dis brique, mon coco. Mademoiselle. Oh, pardon. Bonjour, monsieur. Vous me reconnaissez? Oui, bien sûr. Est-ce que vous vous rappelez cette jeune personne avec qui j'ai déjeuné là hier? Ah oui, la jeune femme blonde qui est partie à l'improviste. C'est ça. Vous la connaissez? C'est une de vos clientes habituelles? Ah non. Non, c'est la première fois qu'elle venait ici. Vous êtes sûr? Absolument, oui. Ça, je n'oublie jamais les visages. Est-ce qu'elle vous a payé par chèque? Non, en liquide. Je suis désolé. Ah, moi aussi. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur. C'est au sujet d'une disparition. Bien, qui a disparu? Une femme. Votre femme? Ah non, justement, non, c'est une jeune femme qui a... Bon, son nom, son âge, sa dernière adresse. Ben justement, j'en sais rien. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'elle arrive de Nice, qu'elle habite un hôtel à Montparnasse. Elle est blonde, très jolie. Et elle a environ 25 ans. Plutôt maigre, comme indice. Des tas de femmes sont dans son corps. Ah oui, c'est bien. D'ailleurs, comment êtes-vous en mesure de dire qu'elle a disparu? C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas exactement disparu. Il faudrait savoir, elle a disparu ou pas disparu? Non, c'est plus compliqué que ça. Je l'ai rencontrée hier pour la première fois, n'est-ce pas? Alors, elle m'a abordé dans la rue. Alors bon, je vois ça d'ici. Ah, mais non, c'est pas du tout ce que vous pensez, non. Non, au départ, évidemment, cette histoire m'amusait. Elle m'a emmené déjeuner à la Tour Eiffel. Drôle d'idée. Vous trouvez? Oui, en tout cas, là... Elle m'a fait part de son intention de se suicider. Une de plus. Non, je suis sûr de ne pas me tromper. Elle était en pleine dépression. Il y avait quelque chose en elle de... Enfin, bref, elle m'a dit tout ça simplement parce que j'étais là. Elle m'a même donné la date de... De sa mort? Oui. C'est vendredi. On est lundi. 4 jours. Ah oui, faut faire quelque chose d'urgence. À votre place, je dormirai sur mes 2 oreilles. Enfin... Elle a un revolver dans son sac. Ah, article bas du code pénal. Bon, ben alors vous allez faire quelque chose. Revenez mercredi, je vous tiendrai au courant. Mercredi? Et encore, parce que je suis sentimental.
Bonsoir, monsieur. Je vous demande pardon. Vous n'auriez pas parmi vos clientes une jeune femme blonde, plutôt svelte, et qui arriverait de Nice? Qui êtes-vous? C'est une amie que je cherche. J'ai perdu son adresse. Je sais que c'est par ici, c'est pour ça que je... Comment s'appelle-t-elle? Eh bien, le comble, c'est que je l'ai oublié. J'ai son nom sur le bout de la langue et impossible de me le rappeler. C'est idiot. De toute façon, il n'y a pas de dame svelte ici. Ah bon? Et aucune de Nice. Ah ben alors... À bientôt. Une jeune femme blonde. Environ 25 ans, qui viendrait de Nice. Non, mais j'ai une brune, environ 18 ans, qui arrive de Hambourg. Non, au revoir. Vous avez raison, nous avons eu cette jeune dame il y a 3 jours. Une demoiselle... Lucille Lagrange. Bien sûr. Mais oui, monsieur. Lucille Lagrange, elle n'existe pas, je peux tout de même pas l'inventer. Mais enfin, sortez de vos petites fiches, faites une véritable enquête, il y a une fille qui va se tuer. On a fait notre boulot, soyez bien gentils, laissez-moi tranquille. Quand vous l'aurez retrouvée. Je vous préviens, monsieur, si vous continuez comme ça, vous passez la nuit ici. Oh, bravo, très bien, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut vous foutre, cette fille? Et à vous? Qu'est-ce que ça peut vous foutre, ce que ça peut me foutre? Hein? Moi, je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donnez-moi quelque chose. Un vrai nom, une adresse, un numéro de téléphone, un numéro de voiture. Si vous croyez que j'ai pensé à relever son numéro de voiture, tout ce que je sais, c'est que c'est une Austin Princesse immatriculée 75. Et alors, vous voulez que j'enquête sur toutes les Austin de Paris? Génial. Vous êtes génial. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez Madame de Chambord, propriétaire d'une Austin Princesse immatriculée. Oui, c'est là? Oui, monsieur. Ah. Oh, c'est... Vous savez, c'est... pas la peine. Voulez-vous, monsieur? Pardon. Je vous attendais, monsieur. Oh non, non, non. Non, madame, sûrement pas. Voilà, je fais une enquête sur les conducteurs d'Austin Princesse. Enfin, les conductrices plus exactement. J'aurais voulu savoir si Asseyez-vous, vous étiez possible... Asseyez-vous, monsieur. C'est le destin qui vous envoie. Oh non, non, madame, non, ce n'est pas le destin. C'est au sujet de votre voiture. J'aurais voulu savoir si Asseyez-vous. Vous Asseyez-vous. Mais madame, je vous assure que vous vous trompez. Vos mains, monsieur. Mes mains? Je fais une enquête. Taisez-vous, monsieur. Il va fuir. Qui? L'esprit. Ah bon? Esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe 3 fois. Thank you.
Mademoiselle, je voulais... Oh non! Je fais une enquête sur les Austin princesses. À 11h du soir. Mais c'est très important, vous avez bien une Austin princesse immatriculée. Déteste les interrogatoires. Chérie, qui est là? Un emmerdeur! Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer, il faut absolument... Monsieur, je veux qu'elle outre la porte, moi! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes complètement dingue! Je le deviens. Combien? Rien, madame, tout est réglé. Comment réglé? Oui, madame, le parfum Fiji et le petit paquet. Mais je n'ai commandé que du parfum. Hein? Ah, signorita. Signorita, depuis notre rencontre dans l'ascenseur, j'ai essayé de me dire... Impossible, l'ascenseur. Je ne prends jamais l'ascenseur, mais j'habite si, au premier. Je ne prends jamais. Je n'ai cessé de me dire, mon cher Alberto. Alberto, c'est moi. À propos, je me présente. Alberto Villonga de Buenos Aires. Encantado. Mucho gusto, mucho gusto. Je me disais donc, mon cher Alberto, mon vieil ami, cette femme parfaite, il lui manque quelque chose. Me parece. Si. A mí no me parece. Ouvrez. ¿Por qué? ¿Usted quiere comprarme? ¿Con esto? Comment? Moi, vous achetez, mais jamais, señorita. Jamais. C'est tout simplement un petit hommage que j'ai pensé... Yo soy una mujer muy honesta. Naturalmente, si. Voilà. Merci. Pour elle. Mais je vous en prie. Une femme aussi exceptionnelle que vous ne se rencontre pas tous les jours. Aussi, je serais très content, très heureux de faire votre connaissance. Encore, cela commence. Oh. Ah, Gianbert, ça va? Ah, Gianbert, Alberto de Villalonga, Buenos Aires, Argentina. Téléphone 0001. Yes. Et dites-moi, ce grand article sur le Timothy, c'est pour quand? Vendredi. Qu'est-ce qu'il? 4 heures. 4 heures? Je suis en retard. C'est important? Très important. Je peux vous accompagner? Oui, d'accord. Il entend bien. Oui, vous aussi. Aussi. Espèce de conne. Tu peux passer les jours crevés quand ils en ont envie, non? Richard, tu sais pas ce que c'est que de vouloir crever? Tu peux pas rester dans tes chiottes en or et foutre la paix au vent? Je t'emmerde! Tu entends? Fous-moi le camp! You were marvelous, that was wonderful! Vous méritez la Légion d'honneur. Je recherche une amie. Le seul moyen de la retrouver, c'est son Austin princesse. Et quelqu'un que je connais à la préfecture de police m'a donné la liste des propriétaires et vous êtes le dernier. Elle était juste votre liste, jusqu'à samedi. J'avais une Austin princesse, un héritage de ma tante. Seulement, c'était pas mon genre. Je l'ai vendue. À qui? Oh, à quelqu'un dans la rue, à l'improviste, c'était très drôle. Mais à qui? Une fille charmante, blonde, mince. C'est elle. C'est elle, aucun doute. Comment s'appelle-t-elle? Ah, vous disiez qu'elle était de vos amis. Ah non, 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 c'était une blague. Non, non, faut pas m'en vouloir. Je suis tellement content que... Malheureusement, vous n'allez pas me croire. Mais je ne sais pas qui elle est. Comment ça? Comme ça s'est fait à toute vitesse, elle devait passer pour l'assurance et la carte grise. Je l'attends toujours. Elle ne viendra pas. Impossible, voyons. Cette voiture n'est pas à elle. Tant qu'elle n'a pas les papiers en règle... Elle s'en fiche. Plus que 2 jours. Si vous saviez comme tout ça est grave. S'il vous plaît, 3 bouteilles de Tattinger Rosé 47. Bien. Hein? Ça vous plaît, tous ces hommes? Lesquels? Je les adore. Vous ne trouvez pas qu'ils sont terriblement amusants? Vous n'êtes pas libre à dîner ce soir. Ça, c'est difficile, très. Ah oui. Très difficile. Ah oui, surtout que ce n'est pas fini. Regardez qui vient. Hello, dear. How are you? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Pour le moment, je m'amuse à la folie.
Je vous invite à dîner. J'ai priorité, cher ami. Je m'excuse, mais Lise m'a promis. Vous n'allez pas l'emmener dîner trois fois, non? Ah non. Alors je vous invite tous les trois. Parfait. Tous les quatre. Je ne suis pas fou. J'ai gagné mon pari. Oh. Vous valez bien un pain de minuit, non? Vous auriez pu au moins vous mettre tout nu. Tout nu? Mais oui. Oh, tout nu. C'est qu'on a trop bu. Ah, moi, non. Oui. Non, moi, j'ai fait semblant. Mais maintenant, j'attrape la crème. Il n'y a pas de chauffage. Eh bien, mais ça valait la peine, non? Puisqu'on est seuls, tous les deux. Vous croyez? Vous ne croyez pas, non? Prenez le volant. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, non. Oui. Non? Ma compagnie? Vous sentez pas bien? Hein? Ah oui. Oh. Quels sommes-nous? Ben, come on. Mais allez vous changer. Oui. J'en ai pour une seconde, je reviens.
Hey. Hey, vous êtes tombé sur mon petit trésor, hein? Qu'est-ce que c'est? Oui, ça... Ça et un bon verre d'alcool, c'est idéal contre les idées noires. Voilà, déjà prête. T'es quoi? Ah non, donnez-moi. Qu'est-ce que vous avez, Donc. Ryan. Let me show you. Look here. Just keep cool. Yeah? Come on. Seul? Oui, je suis seule. Combien? Combien quoi? Combien pour rester seule? Non, combien pour rester avec moi? $300. Thank you.
Dis donc, on s'est jamais vu? Non. Tes nouvelles? Oui. Tiens, pour fêter mes débuts. T'es folle? Non, superstitieuse. Fait présumer qu'elle est originaire de Nice. Elle s'est jetée la nuit dernière sous un camion. Elle se trouve actuellement à l'hôpital Bichat, dans un état désespéré. Prévision météorologique, temps variable dans le secteur nord. De Marseille vous a attendu pour l'étude du canal de Suez. On vous a cherché partout. Convoquez-les pour lundi, à 3h. Rien d'autre? Si le sud-américain attend depuis 20 minutes. Ah, quelle connerie. Toute l'affaire des Caraïbes dépend de lui. Je suis désolé. Ne vous en faites pas, je comprends ces choses. J'ai des tas d'embêtements en ce moment. J'espère que Yvette vous a offert à boire. Mon Dieu, quelle heure croyez-vous qu'il est? Pardon. Décidément, je suis encore hier soir. C'est bien pardonnable. J'ai eu moi-même une nuit assez chargée. Ah là 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 là, quand on dit que les Françaises sont des allumeuses. Ah bon? Montrez-moi ce plan. Il est par là. Mais vous savez, les délais sont beaucoup trop courts. Hein, et les moyens sont insuffisants. On ne relève pas comme ça un bateau de 8000 tonnes. Voilà. Charmante. Merci. Non, je parlais de cette fille. Ah, dommage. Oh, dommage que vous n'ayez pas été là. C'est un petit imbécile d'impresario qui a eu le beau rôle. Oui, il est en porte-à-faux sur le corail. C'est infesté de requins. J'ai pensé à une solution. Et... Allô? Allô? Il est 6h, madame. 6h? De quoi? Du soir? Du matin. Du matin? Mais pourquoi vous me réveillez si tôt? C'est vendredi, madame. Comment? Vendredi? Vendredi? Vendredi. Julien!
Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je t'attendais. Hein? Pourquoi? Oui. J'ai besoin de te parler. Mais je croyais qu'on s'était tout dit. Pas tout à fait. Bon, en attendant, avec ta permission, je vais prendre un petit déjeuner. Bonne idée, moi aussi. Tu as une mine merveilleuse. C'est un proche? Mais pas du tout. Écoute, c'est passé tellement de choses depuis... J'ai changé. Arrête ton cinéma. Julien, soyons réalistes. J'ai une proposition à te faire. Vas-y. La semaine dernière, tu m'as bien dit que tu étais prêt à revendre l'usine. Enfin, ton usine. Pour 54 millions, hein? Oui. Eh bien, je la rachète. C'est une plaisanterie. Non, c'est sérieux. J'ai trouvé un commanditaire. Un beau jeune homme, sans doute. Beau. Que tu vas nommer directeur commercial, j'imagine. Non. Cette fois-ci, c'est lui qui va me nommer directrice commerciale. Et il a 150 millions. Mais beaucoup plus. Oui, écoute. Le projet de contrat d'achat est déjà prêt. J'aimerais bien que tu le lises. Aujourd'hui même. Non, je suis désolé, mais on m'attend à Chantilly. Arrivée en provenance de Genève, vol Suisseur 722, poste C0... Tu en as pour 5 minutes. Je te raccompagnerai après. C'est à moi. Tu as hérité? Les beaux jeunes hommes sont en même temps très généreux. J'espère que tu n'as pas pris trop au sérieux tout ce que je t'ai dit, Alice. Avec toutes ces histoires, j'étais à bout de nerfs. Toi aussi, d'ailleurs. Ne t'en fais pas. Tu sais, je ne suis pas seulement myope. J'ai aussi la mémoire qui flanche. C'est toi. Et ce projet de contrat? Mais oui. Je sais que tu es pressé. Que tu as quand même 5 minutes. Tu veux boire quelque chose? Oui. Alors, ces millions, donne-moi des précisions. Tu as un commanditaire? Quand est-ce que tu me le présentes? Quand tu veux. Demain. 11h? D'accord. Ici? Je te trouve très en forme. C'est vrai. Tu ne changes pas. Tu sais, on ne porte plus la cravate. Non, non. C'est fini. Quelquefois, même pas la chemise. Tu as vu? C'est drôle, c'est facile. Ça, c'est de fait. Même ici, regarde. Et ce fameux contrat? Oui. Dans un instant. Maintenant, tu fais tout ce que je veux.
Je t'accompagne, Chantilly. Excellent, votre hommage. Excellent. Je m'y attendais, mais enfin, tout de même, je suis content. Merci. Et je voulais vous signaler un petit détail. Ça ne va pas? Si, non. Bon, ben, ça va être très bientôt fini. Tu es complètement folle. Ralentis, je t'en supplie. Tu vois le pylône? Là, en bout? Oui, et alors? Regarde-le bien. Julien, c'est ta dernière vision. Ne la gâche pas. Tu me dégoûtes tellement que ça te sauve la vie. Et voilà. Arriver à renflouer le bateau dans les délais, vous ne le regretterez pas. Vous pourrez prendre des vacances pendant 10 ans. Je vous trouve bizarre. Dernier jour. Comment ça? Il est arrivé une drôle d'aventure. Ma note, s'il vous plaît. Allez, prête, madame. Ça ne dérange pas si je laisse mes affaires dans la chambre? Oui, mais pas du tout, madame. Quand viendrez-vous les chercher? Ce soir. Je vous en prie. Merci. Pourquoi vous en faire? Vous avez fait ce que vous avez pu. Dites donc, vous n'allez pas me dire que... Que quoi? Mais mon vieux, cette femme, vous ne l'avez vue qu'une fois. Je sais. Alors on ne tombe pas amoureux d'une ombre. Surtout d'une morte. Voulez-vous que je vous raccompagne? Non, 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 merci. J'ai ma voiture, mais je voudrais terminer ça là-bas. Combien de temps on monte? 3 minutes.
monter tout de suite? Non, 3 minutes, c'est 3 minutes. Les ascenseurs alternent. Vous êtes pressé? Oui. Hey!